Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais continuer mes petites capsules sur la vie du grand Albert Einstein. Là, nous allons traiter de la période de 1905 à 1905, là où il a concocté sa relativité générale. Mais auparavant, je voudrais signaler que Hermann Minkowski, le grand mathématicien, avait intégré à la relativité restreinte d'Albert Einstein son cône de lumière. Autrement dit, il avait intégré à la relativité restreinte d'Albert Einstein la quatrième dimension, soit l'espace-temps. L'espace-temps avec un trait d'union, c'est ensemble. C'est une autre dimension qui est en dehors de nos trois dimensions que l'on connaît. C'est pour ça que la théorie de la relativité générale est très complexe. Et à partir de 1905, Albert Einstein s'était donné comme défi d'intégrer la gravitation à la relativité restreinte. Et durant 2 ans, à force de penser à son affaire, il est évidemment qu'Albert Einstein, il fallait qu'il gagne sa vie, là. Et dans ses moments libres, bien, il pensait à son intégrer de gravitation. Et en 1907, il va découvrir son fameux principe d'équivalence, qui consiste en ceci, je vais essayer d'être bref. Il imaginait un laboratoire céleste où il n'y a aucune gravité et un laboratoire terrestre. On peut l'appeler laboratoire accéléré et laboratoire Terre. Et son principe d'équivalence, si je donne une accélération A vers le haut égale à G, à ce moment-là, ici, on va montrer un ressort, là, il va s'étirer de façon égale. Le même étirement va avoir lieu sur la Terre, qui le laboratoire est immobile avec la gravitation, et l'accélération dans l'espace où il n'y a pas de gravité. Ça, c'est dans la tête d'Albert, ça. À ce moment-là, c'est son fameux principe d'équivalence. Mais il y a d'autres choses. Ayant découvert ça, là, il va continuer à imaginer comment interpréter, inclure la gravitation dans la relativité restreinte. Et ça ne fut pas une chose facile pour lui, là. Albert a toujours été un fervent des mondes. Lui, il a toujours travaillé avec les mondes, contrairement au grand Henri Poincaré, qui, lui, travaillait mathématiquement. Albert va placer une montre dans le laboratoire accéléré ou le laboratoire où il n'y a aucune gravité. Là. Il va mettre une montre au plancher et une montre au plafond avec un observateur. Un observateur au plafond et un observateur au plancher de son laboratoire. Et il va donner une accélération A vers le haut. Qu'est-ce qui se passe? Celui du haut voit la montre de l'observateur du bas retardée. Et celui du bas va voir la montre de l'observateur du haut avancer. Pourquoi? Parce que l'observateur du haut, quand il regarde la montre du bas, le signal lumineux qui se rend à son œil, autrement dit, le plancher court vers le plafond. Et pour l'observateur sur le plancher, quand il va regarder la montre de l'observateur du haut, le plafond fuit le plancher. À ce moment-là, c'est la situation inverse. Donc, les montres vont décaler. Là, il est rendu là. En 1907-1908, il a trouvé avec ses montres. Là, il a toujours travaillé avec les montres, Albert. La relativité restreinte, il a fait ça avec les montres. Puis la relativité générale, sa base, c'est les montres. Qu'est-ce qu'il va faire? Là, il y a son principe d'équivalence. Il sait que le temps dans le laboratoire terrestre n'est pas pareil quand il est dans l'accéléré et quand il est dans un chaud où il n'y a pas de gravité. Avec son principe d'équivalence qu'il a trouvé ici, Albert va se dire, c'est la même chose sur la Terre. À ce moment-là, ma montre qui est au plancher,
si je mets ma montre sur le plancher et j'ai ma montre dans le bras, celle-là sur le plancher va aller moins vite, celle-là que j'ai dans mon poignet va aller plus vite, et ainsi de suite, sur la tête, elle va aller plus vite encore, et plus je monte, plus ma montre va accélérer. Et il est rendu là. Là, qu'est-ce qu'il va imaginer? Il va imaginer un signal lumineux. Il enlève les montres, puis là, il dit, je vais mettre un signal lumineux dans mon laboratoire. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? C'est encore la même chose. Le signal lumineux du bas. L'observateur du haut, quand il va regarder le signal lumineux du bas, vu que le plancher court vers le plafond, autrement dit, le signal lumineux va se, comme je dirais, raccourcir un peu. Les ondes vont se raccourcir. Et si l'observateur du plancher regarde la montre de l'observateur qui est au plafond, à ce moment-là, c'est le contraire qui se produit. Parce que le plafond, le plancher court vers le plafond. Tandis que sur l'autre côté, c'est le plafond qui s'éloigne du plancher, qui tend à s'éloigner du plancher. C'est un peu le même principe. Et ça veut dire que les ondes lumineuses, quand je vais émettre un rayon lumineux dans mon laboratoire, à ce moment-là, il va s'incurver vers le bas. Et en s'incurvant vers le bas, bien à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'une onde qui devient la traîne. Autrement dit, elle va décaler vers le rouge. Et de là, notre cher Albert va passer de ses laboratoires terrestres à son laboratoire céleste ou laboratoire accéléré, comme vous voulez, au Soleil. Il va se dire les atomes qui viennent du Soleil et les atomes émises par la même matière qui est sur la Terre, les atomes du Soleil vont être, quand le rayon lumineux va arriver sur la Terre, va être décalé par rapport à mon atome qui émet le même rayon sur la Terre. Là, il est rendu là. Il est avancé pas mal. Là avec son il sait exactement où il s'en va pour intégrer la gravitation dans la relativité restreinte. Là, il va étudier Gauss, c'est le plus grand mathématicien qu'il a jamais eu, les courbes de Riemann, et il n'est pas capable de couper. Il a beaucoup de difficultés. Là il va partir de 1907 à aller jusqu'en 1912, c'est 5 ans ça, à essayer de virer ça sur tous les côtés, travailler comment trouver la façon d'intégrer la relativité, la gravitation à la relativité restreinte. Et en 2012, il découvre ce qu'il cherchait. Que l'Italien Ricci avait découvert en 1887 les formules mathématiques qui allaient servir de base à Albert, à Einstein, pour intégrer la gravitation, soit les tenseurs matériels, les tenseurs métriques qu'on appelle aujourd'hui de Ricci. Et là, il y avait tous les éléments qu'il fallait là, pour concocter sa relativité générale. Mais Albert n'avait pas les mathématiques qu'il lui fallait pour découvrir les équations qui gouverneraient la relativité générale. C'est alors qu'il fait appel à son grand ami Marcel Grossman qui est ici, lui qui était un mathématicien chevronné, et ensemble, ils vont faire avancer la relativité générale, là. Ils vont lui faire faire un pas de géant. Et comment est-ce que je dirais ça, donc? C'est difficile pour moi, là, de... Ils vont, avec l'appui de Grossman, là, Einstein va être capable de... Ils vont commencer à concocter les équations de la relativité générale. Et en 1912, et en 1913 et 1914, ils vont émettre deux... études qui vont publier dans
Annalène d'air physique, deux études révolutionnaires qui vont faire avancer là, la théorie de la relativité générale. Mais ce n'était pas encore complet parce que la covariance générale ici ne concordait pas tout le temps. Il y avait encore un manque dans la relativité générale et malheureusement Einstein a dû être transféré au début de 1914 en Allemagne, et c'est là que la collaboration entre Grossmann et Einstein, il n'y a plus eu de collaboration parce qu'ils étaient séparés. Grossmann travaillait à Zurich et Albert était rendu à Berlin pour gagner sa vie. Et là, avec les efforts immenses qu'Albert a dû fournir, mais il avait les outils que Marcel Grossmann lui avait donné pour trouver les équations de la relativité générale. Et quand son combat va durer encore 2 ans, et il réalise que son principe de covariance générale n'entre pas avec la causalité. C'est ça là, qui accrochait dans le temps de Grossmann et Einstein. Là. Il y a quelque chose qui ne marchait pas. Et quand il y a eu, Einstein l'a dit dans ses mémoires, il avait abandonné le cœur gros, l'histoire de la covariance générale. Ça, il ne l'a jamais digéré, là, parce que Einstein, Albert, il avait une intuition épouvantable. Il savait ce qu'il allait. Comment est-ce que je dirais ça, donc? Autrement dit, il était sûr de son affaire. Et lorsqu'il a accepté que la causalité et la covariance générale n'entraient pas en conflit, là, tout s'est enchaîné et il a pu finalement réaliser, concocter les équations qu'Albert cherchait pour intégrer la gravité à la relativité générale. Et à partir de 1915, la gravitation n'était plus traitée comme une force, mais comme une courbure de l'espace-temps. C'est pour ça qu'il faut spécifier espace-temps. C'est une dimension que nous ne pouvons pas voir, malheureusement, parce que nous autres, on est dans le système à 3 dimensions. Il y a toutes sortes de représentations là, pour expliquer la courbure de l'espace-temps. Je vais en montrer une ici. Là, vous voyez ça souvent. Là. C'est une planète ou un astre là, qui circule dans le cosmos. Là, et on voit que le treillis de l'espace-temps est courbé. Mais c'est pas comme ça. C'est faux. Mais ça donne une bonne idée. Et l'espace, c'est un volume. Ça, c'est une chose à 2 dimensions. L'espace, c'est un volume. À ce moment-là, ce n'est pas l'espace qui est courbé, c'est le temps qui courbe l'espace. Le temps, j'ai mis un horloge, puis je trouve ça d'Internet, là, que l'espace-temps, le temps, courbe cette dimension. C'est pour ça qu'il faut associer l'espace et le temps, c'est ensemble. Vous ne pouvez pas les dissocier. Dans 3 dimensions, vous avez l'espace et le temps, mais dans la 4e dimension de Minkowski, le temps et l'espace sont intégrés. Et je voudrais signaler quelque chose. Dans le temps de Newton, lui, il n'y avait pas de courbe de lumière parce que la gravité est instantanée. Tandis qu'avec Einstein, à ce moment-là, il y a un cône de lumière parce que rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Ça, c'est le présent. Ça, c'était le futur du cône. Et ça, c'est le passé. Nous autres, on évolue à l'intérieur de ça. Là, je vais un petit peu loin, là. Mais de toute façon, c'est un peu ça, la relativité générale. Et quand Grossmann a trouvé son G pour le tenseur métrique, il a dû y mettre deux accrochetifs, G mu V, parce que suivant Newton, il y avait une équation
Et suivant la relativité générale, il y avait 10 entités mathématiques qui représentaient la gravitation. Ou les champs de la gravitation, si vous voulez, mais mieux. Et pour conclure, il a fallu 10 ans à Albert pour développer cette théorie. Et encore de nos jours, nous pouvons toujours dire que sa théorie est le chef-d'œuvre du génie humain si on parle de la physique de notre époque. C'est pourquoi Albert Einstein va demeurer encore très, très populaire, je dirais, pour les années à venir, parce que la relativité générale est encore une théorie. C'est ce que nous avons de mieux actuellement pour expliquer tous les phénomènes qui se passent dans le cosmos, mais là, on réalise qu'il y a des choses qui ne concordent pas. Et probablement qu'en terminant, il va peut-être arriver un autre jeune génie, là, on ne sait pas quand. Là, il devrait être entre 20 et 30 ans. C'est là que les grandes découvertes se font par l'humanité. Les hommes font les grandes découvertes là, quand ils sont dans la vingtaine, là. Que lui, probablement, il fera la même chose qu'Albert Einstein. Einstein a amélioré les équations de Newton. Et celui qui va venir va améliorer les équations d'Albert Einstein, de la relativité générale, pour finalement être capable de trouver la théorie du tout. Et là, évidemment, que le genre humain pourra avancer avec plus de rapidité. Sur ce, je vous dis bonne écoute. Merci et à la prochaine.